Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la grenade, Punica granatum. L'hiver a pointé le bout de son nez et avec lui, nous sommes contents de retrouver sur notre table ce fruit généreux et capiteux. Alors, il existe pas moins de 1200 variétés de grenades qui diffèrent par la taille et la forme de leurs fleurs et de leurs fruits, mais aussi par leur grosseur et leur goût. La grenade est originaire de Turquie et du Caucase. Elle pousse en abondance dans tout le bassin méditerranéen et elle est utilisée depuis des temps immémoriaux pour teindre les laines, y compris celles qu'on utilise pour confectionner les tapis d'Orient. Alors, la grenade est synonyme depuis la nuit des temps de symbole de prospérité, de fertilité, de puissance, d'abondance et d'amour. Alors, quand vous prenez une grenade comme moi et que vous la coupez, vous trouvez de très nombreux grains. Il y en a pas moins de 400. On a retrouvé des vestiges de grenades dès l'âge de bronze, que ce soit en Jordanie, en Grèce, en Mésopotamie, mais aussi en Allemagne. Alors, la grenade est très présente dans la Bible et le Coran parce que c'est un fruit de bénédiction et de prospérité. Alors, au niveau médicinal, on utilise le fruit que vous voyez ici, qui est une grosse baie qui ressemble à une orange, dans laquelle on retrouve de la vitamine C et différents polyphénols dont les tanins élagiques. La grenade est extrêmement précieuse parce qu'elle est très efficace dans de nombreux sphères thérapeutiques. Alors la première chose, c'est qu'elle est très efficace en cardiologie parce qu'elle va permettre de protéger les vaisseaux sanguins, de les élargir, de lutter contre leur inflammation et elle fait chuter la pression sanguine. Boire un verre de jus de grenade par jour fait chuter de 5% la pression sanguine. Elle est aussi très importante chez les diabétiques puisqu'elle protège le pancréas et qu'elle fait chuter les taux de sucre dans le sang. La grenade a énormément d'intérêt chez les sportifs puisqu'elle va améliorer la récupération musculaire après l'effort, qu'elle lutte contre le stress oxydant qui est très important chez le sportif et qu'elle va permettre aux muscles endommagés de récupérer et de se réparer plus rapidement. Autre point, la grenade est excellente pour les problèmes de fertilité parce qu'elle va augmenter la vivacité des spermatozoïdes ainsi que leur concentration. Donc n'hésitez plus à consommer sans limite la grenade qui est excellente pour votre santé et pour celle de vos animaux. Alors chez Miloa, on a utilisé de la grenade dans l'anti-ox et également dans l'énergie sup et bien sûr dans le cardio sup. À très bientôt pour d'autres vidéos.